سنحط الرحال اليوم ببلجيكا وتحديدا بسان جوز لنسلط الضوء على محمد المرنيسي، شاب مغربي مقيم بالديار البلجيكية، نموذج للمهاجر المغربي المثابر والدينامي. فبالإضافة لاشتغاله كمدرس، فهو مدرب كرة قدم لشباب المنطقة ولاعب في فرقة لكرة قدم القاعة. لنتعرف أكثر عليه من خلال هذا الروبورتاج. Je m'appelle Mohamed El Marnissi, j'ai 23 ans, je suis habitant de Saint-Josse, là où je travaille donc en tant qu'éducateur, en tant qu'entraîneur de football et aussi en tant que joueur de futsal semi-professionnel. Aujourd'hui, là on se retrouve au local des éducateurs, donc là où je reçois un peu mes jeunes, là où on fait aussi des réunions d'équipe, des réunions avec les jeunes quand il s'agit de lancer des projets, de lancer des activités, etc. Le lien que j'ai avec les jeunes, il se passe vraiment bien. J'ai grandi dans le quartier où je travaille, donc c'est vrai, j'ai une certaine facilité. Je connais déjà tous les grands frères, je connais les petits avec qui je travaille, je les ai vus grandir, donc ils m'ont vu aussi eux grandir. Donc j'ai une forme de respect qui s'est formée automatiquement, je dirais, au fur des années. C'est vrai que le respect joue un grand rôle dans le travail que j'ai, le contact que j'ai avec ces jeunes-là. Et c'est avec ça qu'on leur donne ce qu'ils ont besoin, dans la mesure du possible, quoi. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est à la base... Écoutez ce qui la personne qui est en face de toi, que ce soit un entraîneur, que ce soit un éducateur, que ce soit un professeur, que ce soit tes parents, c'est vraiment d'abord écouter, parce qu'ils sont passés avant nous, ils savent comment est la vie en étant jeune, donc vraiment bien les écouter et puis avoir un respect que ce soit même un simple sourire envers une personne, c'est un respect, donc le fait de respecter envers tout le monde, ça va vraiment beaucoup faciliter les choses. C'est le conseil que j'ai à donner aux jeunes, c'est voilà quoi. Je passe un salam à toute la famille, les amis, le Maroc, Hussema, Saint-Josse, bien sûr, et tchuz. Aujourd'hui, en fait, on a commencé donc le premier entraînement de l'équipe de futsal en jeune. On se retrouve ici au Cinquantenaire, donc un parc très connu à Bruxelles. Pourquoi je choisis ce parc? Parce qu'il y a un bon petit parcours. Et donc, j'ai donné rendez-vous ici à mes jeunes. Et ça fait donc maintenant plus de 40 minutes qu'on a couru. Là, on se fait une petite séance d'étirement. Et après, on fera des petits sprints pour terminer la section d'entraînement. Donc maintenant, l'équipe a commencé l'année passée. Donc j'ai commencé en championnat scolaire, donc catégorie 16-17 ans. L'année s'est bien passée, on a eu beaucoup d'entraînement, les gamins ont très bien travaillé, on a fini 3e du championnat. Pour une première année, j'étais très content. Donc maintenant cette année, je coach un peu les mêmes qui ont eu maintenant 18 ans. Je vais les coacher donc, dans un championnat qui s'appelle championnat espoir. Donc on commence, si tout va bien, le 8 octobre. J'espère qu'on fera les mêmes résultats, si mieux ou peut-être mieux que l'année passée. Je m'appelle Ftahan Imran, j'ai 20 ans, ça fait à peu près un an et demi que je joue avec cette équipe, avec Mohamed. Et mon poste c'est flanc droit ou flanc gauche. Les relations avec Mohamed c'est simple, on l'écoute, c'est une relation on peut dire entre, on va pas dire coach et joueur, mais on s'entend bien quoi. Il fait passer le feeling avec lui, et ses joueurs. Et question collective, ça va à merveille quoi, on s'entend tous, on vient tous du même quartier donc on a déjà des liens ensemble avant d'être dans l'équipe.
Donc les liens sont forgés directement, quoi. C'est une équipe composée de jeunes du quartier. Ils sont tous issus du quartier là où je travaille. Ils se connaissent déjà depuis des années, ce qui facilite la cohésion de groupe. Maintenant, voilà, on essaie de faire en sorte que le travail sportif prime avant les copains et ce qui s'ensuit. Donc maintenant, avec les séances d'entraînement, on verra ce que ça va donner. Ben ouais, chaque match, quand on gagne les matchs, surtout les matchs importants comme l'année passée en coupe, on a gagné contre une bonne équipe et c'était beau, quoi, dans le vestiaire. On a tous pris du plaisir dans le vestiaire, quoi. Cette année, c'est directement champion, hein, on va pas passer par quatre chemins. On veut le championnat et s'il y a moyen, essayer d'arriver le plus loin en coupe. Je dis salam à la famille du Maroc, Kaza, tout le monde, la famille d'ici aussi en Belgique et bien sûr les copains ici du quartier et mon club. Aujourd'hui, on se trouve ici à Saint-Jos, donc la salle où j'ai commencé mes premiers pas au football en salle. Aujourd'hui, donc, on avait un match championnat avec mon équipe de quartier, avec laquelle j'ai commencé à jouer, avec laquelle j'ai appris justement à jouer le futsal. donc voilà, aujourd'hui, on a joué en championnat, donc notre 7e ou 8e match. Donc on a fini sur un match nul. Ça s'est bien passé au tout début, puis voilà, on a eu une petite baisse de régime. Ils en ont profité, ils ont marqué 3-4 goals. Mais heureusement, on est revenu à chaque fois qu'ils ont marqué. À chaque fois qu'ils ont marqué, on a su revenir au score. Sinon, dans l'ensemble, ça va, ça a été. On a une bonne mentalité sur le terrain. Et donc voilà, quoi. Assalamu alaikum. Je m'appelle Tijarti Mourad. On est à Bruxelles, plus précisément à Saint-Josse, dans la salle du Pudel. La rencontre, en fait, je le connais depuis qu'il est tout petit. Mais au niveau du football, en fait, on s'est rencontrés quand elle avait... j'ai commencé à le croiser dans les salles quand il avait 12-13 ans, jeune. Et déjà à ce moment-là, déjà, j'avais vu que c'était un grand talent, quoi. Ben, mon poste, le plus souvent, ce que je joue, c'est ailier. Donc j'essaie de provoquer justement l'action, de provoquer l'adversaire pour pouvoir essayer de ramener un but ou pas. Mais bon, là maintenant, j'essaie d'amener un petit peu mon expérience. Aux plus âgés, parce que voilà, ils n'ont pas certainement joué. Il y en a, ils n'ont pas joué au haut niveau. Donc à ce moment-là, ouais, ici, je préfère plus jouer vers l'arrière, pouvoir couvrir le jeu et distribuer justement le jeu. Pour être bref et être concis, techniquement très très fort déjà à l'époque, par rapport à ceux de sa génération déjà. Même au niveau de son déplacement, c'était instinctif, il se déplaçait très bien. À l'époque, quand je voyais ça, je voyais comme des joueurs qui étaient déjà expérimentés, se déplaçaient comme eux, qui avaient déjà un bagage au niveau du football en salle et tout. Donc on voyait tout de suite quoi, il brillait par rapport aux autres joueurs. Puis voilà, son évolution, elle a été fulgurante, mais toujours en grandissant. Donc ça n'a pas stoppé net une fois qu'il a fini sa croissance ou qu'il a été adulte. J'ai eu un moment où j'ai eu un choix à faire entre le football et le futsal. J'avais opté pour le football. Malheureusement, ça n'a pas percé. Donc j'ai dû revenir sur mes pas et me relancer au futsal, ça a été un peu difficile. Sinon, mais à part ça, j'ai une petite blessure de 2 mois où justement mon premier match aujourd'hui, c'est là où je reviens. J'espère que doucement ça va aller, Inch'Allah. Au niveau du match, l'équipe aujourd'hui avait une très bonne attitude. Mais en général, il y a une très bonne attitude dans l'équipe. Tout le monde est concentré sur son sujet. Et bon, moi, ce que je prône, c'est bien défendre à la base. Et pour bien avoir une assise sur le match, quoi, être bien dans de bonnes conditions pour jouer le match. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et après, pendant le match, ben, on était toujours à l'aise. Quoi qu'il arrivait, des fois on était mené, des fois on revenait au score, mais on ne perdait jamais notre sang-froid parce qu'au début on était concentré. Voilà. Je ne sais pas s'ils regarderont, enfin j'espère du coup. Je passe un grand bonjour à toute ma famille, bien sûr, à mon arrière-grand-mère notamment, que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui est à Nador, à ma famille qui est à Tétouan, un peu à Al-Husima aussi. Voilà. Et à tous les Marocains aussi, je leur passe un grand bonjour. Et voilà, c'est tout.